À la veille d'un vote décisif sur le Brexit au Parlement britannique, Theresa May prononcera cet après-midi son discours de la dernière chance devant les députés. Un pari très risqué. Sur le papier, la Première ministre ne dispose toujours pas de majorité pour faire adopter l'accord de retrait négocié avec l'Union européenne. Downing Street est engagé dans une ultime tentative pour essayer de faire changer d'avis certains députés, mais je suis un peu sceptique sur les chances de parvenir à convaincre de nombreux députés, car la base de l'accord de retrait et les relations futures et la façon dont Theresa May veut que la Grande-Bretagne reste liée à l'Europe n'ont pas changé. L'Union européenne pourrait de nouveau apporter son soutien à Theresa May dans la journée afin d'éviter le scénario catastrophe d'une sortie de l'Union européenne sans accord. Sauf que le principal obstacle n'a toujours pas été levé concernant la future frontière entre les deux Irlandes, un casus belli pour les Brexiteurs.